Bonjour frères et sœurs, chers amis. Aujourd'hui, un sauveur vous est né. C'est Noël, Dieu avec nous. Cette nuit, nous étions invités à l'émerveillement devant le signe de cette présence de Dieu avec nous, le signe du sauveur, ce qui nous sauve. Et c'est un nouveau-né. Ce matin, nous sommes invités à l'accueil, au recueillement, pour approfondir, méditer, mieux comprendre ce qui nous arrive. Cet enfant de Noël va grandir, il va dire des choses importantes et faire des signes encore jamais vus. Un jour, il mourra dans des conditions semblables à celles des prophètes et des martyrs. Et ce nouveau-né, aujourd'hui Noël, sera le nouveau-né de Pâques, le ressuscité. Alors, les chrétiens comprendront mieux ce qu'annoncent les anges de cette nuit. Celui qui naît aujourd'hui sera grand parmi son peuple, car il porte en lui le secret qui ne se dévoile que peu à peu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Et saint Jean nous invite à approfondir le mystère de Noël. Essayons donc d'ouvrir notre cœur, notre intelligence, notre vie à ce message. Noël, c'est un commencement, une nouveauté absolue dans l'histoire de notre monde. Ce qui est prodigieux, bouleversant et unique, c'est que Dieu, qui est avant toute chose, vient de naître en cet enfant Jésus. Au jour de la création, Dieu dit « et les choses sont ». Son Verbe, sa parole, est créateur. Tout ce qui existe vient de Dieu, et tout est un reflet de la beauté de Dieu, surtout l'homme et sa liberté. Cela, nous le croyons en faisant confiance à la parole de Dieu. Au jour de Noël, cette parole, ce Verbe, devient un homme. Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. Au jour de Pâques, la gloire de Dieu devient manifeste, visible, dans la chair même, dans le corps de cet homme qui vient de naître aujourd'hui et qui dit déjà invisiblement et ce qu'un jour il montrera. Dans l'évangile de saint Jean, la lecture d'aujourd'hui remplace le récit imagé de saint Luc lu cette nuit. Ainsi, Jésus n'est pas un homme devenu Dieu par destin privilégié. C'est tout le contraire. Dieu qui était avant toute chose, Dieu le Créateur et le Maître du monde, devient homme. Voilà ce que saint Jean a fini de comprendre. Voilà ce que les anges chantaient aux bergers qui pressentaient de grandes choses sans les saisir le moins du monde. Voilà ce que veut dire cet hymne que nous chantons en parlant de Jésus. Lui qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition des hommes et devenant semblable aux hommes. Et voilà ce que nous redisons
les uns aux autres ce matin. Tout émerveillé encore de ce qui nous arrive, Dieu non seulement existe, mais il s'intéresse à nous. Mieux encore, il nous dit son amour. Un amour tel qu'il n'hésite pas à devenir semblable à nous, à vivre avec nous pour que nous, nous puissions vivre avec lui. Ce message est incroyable. Beaucoup d'hommes ne veulent ou ne peuvent pas le croire. Ils refusent que ce soit possible, que ce soit vrai. Et ce refus n'est pas d'aujourd'hui. Il est venu chez lui, les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. La lumière a brillé dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Voilà notre grande souffrance en ce jour de Noël, qui est jour de joie à cause de la bonne nouvelle. Autour de nous, nous voyons tant d'amis, de proches, qui haussent les épaules et nous laissent à notre joie, une joie qui n'est pas complète tant qu'ils ne la partagent pas. Aussi, Saint Jean termine sa méditation avec cette confidence. Nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le Père, lui nous l'a fait connaître. Ils ont raison, ceux qui disent qu'ils n'ont pas vu Dieu. Les chrétiens qui fêtent Noël ce matin, eux non plus, n'ont pas vu Dieu. Mais ils ont vu Jésus. Ils ont reconnu le Christ. Ils ont contemplé sur sa face, tour à tour transfigurée, ensanglantée et glorieuse, tout ce que l'homme peut attendre de Dieu. Les chrétiens, nous en sommes comblés, humblement, timidement, et souhaitent à chacun cette plénitude. Oui, de sa plénitude, nous avons reçu, grâce après grâce, c'est-à-dire don, bienfait, cadeau. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour chacun, pour chacune d'entre vous. Bon Noël. Amen.